comparé à une célèbre marque de thon par Thomas Otto après un reportage étonnant sur ce poisson dans le journal de Télématin ce jeudi, Johanna Gilia s'est interrogée sur son physique et inquiétée de son apparence. Toujours autant d'humour en 2023 sur le plateau de Télématin. Telle semble être la résolution des journalistes qui officient chaque matin sur France 2. En effet, alors que la présentatrice du journal de Télématin, Johanna Gilia, a conclu son édition de 7h avec un sujet pour le moins étonnant ce jeudi, Thomas Otto a sauté sur l'occasion pour lui faire une petite remarque humoristique. Après avoir abordé la flambée des prix de l'énergie et l'augmentation des prix sur le réseau autoroutier du fait de l'inflation, la journaliste a proposé à son auditoire d'autres chiffres qui donnent le tournis, celui d'un thon rouge de 212 kg vendu 36 millions de yens, soit 257 000 euros, au Japon. Une chose en entraînant une autre, et l'humeur étant toujours plus ou moins à la rigolade dans Télématin, Johanna Gilia a fait une sortie plutôt amusante. 2,7 millions d'euros pour un thon, tandis que des images du marché au thon tokyoïte de ce jeudi matin étaient diffusées à l'écran, Thomas Otto, Julia Vignali et Johanna Gilia, maman d'un petit garçon de 4 mois, ont défié leurs téléspectateurs de trouver le thon en question. Si est-il un des thons qui sont là? Le plus gros. On va voir si vous arrivez à le repérer sur ces images, a lancé la journaliste avant de préciser qu'il ne s'agissait pas d'un record. Si est-il beaucoup, mais ce n'est pas un record. Le record absolu de cette vente aux enchères de thon au Japon a été atteint en 2019 avec un thon qui a été vendu 333 000 millions de yens, soit 2,7 millions d'euros, a-t-elle continué, informative. Je ne suis pas un thon, j'espère. Bon, Ben, merci beaucoup. Sopiquet vous a présenté ce journal. Merci, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30. Johanna, a enchaîné Thomas Otto, faisant référence à la célèbre marque de conserve de poisson. De quoi amuser ses collègues, mais aussi provoquer l'interrogation chez son interlocutrice, je ne suis pas un thon, j'espère. Et tous les autres de crier, en chœur, un nom. Des approbateurs de soutien. Mais non, Johanna, s'est tout de même rattrapé Thomas Otto tandis que sa consœur Julia Vignali s'est empressée de la rassurer, vous êtes magnifique. À lire aussi, Johanna Gilia est devenue maman. Julia Vignali et Thomas Otto dévoilent la bonne nouvelle en direct dans Télématin.